Marc chapitre 7. Vous savez, le problème que nous avons souvent en Afrique, c'est la division. L'Africain est... Les Africains sont trop divisés entre eux-mêmes. En Côte d'Ivoire, on va voir les BT d'un côté, les Hatché de l'autre. Et en Côte d'Ivoire, on voit que le Zinga n'est pas Moussous, le Zinga n'est pas Moussous. Au Rwanda, on voit les Tutsi d'un côté, les Hutu de l'autre. Ok, na Rwanda, on a les Tutsi n'est pas une bamboba, Hutu n'est pas une bamboba. On va voir ici les gens du sud d'un côté, du nord de l'autre. On voit que Batu Yangele na Esika na bamboba, ya Likolope na Esika na bamboba. Et on trouve pas ça vraiment chez les Européens. C'est rare. Makamboana, tu vois, on a beaucoup de Mingele, tu vas pas. Et nous, nous avons encore ce problème-là. Et même dans les assemblées, je ne sais pas si ça, c'est le cas dans les églises ici. C'est le pasteur du Nord, il n'y a que les gens du Nord autour de lui. S'il est du Sud, il n'y a que les gens du Sud. C'est qui a constaté ça ici? Et ceux qui n'ont pas levé la main, alors c'est pas comme ça. Alléluia. On est fatigué. Hein? Le cœur. Ceux dont les cœurs ne sont pas transformés, ils ne peuvent pas vivre le réveil. Moi-même, j'ai vécu le tribalisme ici aussi. À l'assemblée de Wenze. On va dire, mais lui, il est du Congo, à Kinshasa. Mais ma maman est d'ici. Mais maman n'a pas l'imbouté. Je fais comment? Même si ce n'est pas le cas. Et l'œuvre a pris un coup à cause de ça. Et on m'a dit que Moussa n'a pas l'imbouté pour se déprendre ma campagne. Et tout ça, ça vient du cœur. Et ma campagne, nous, c'est ça que vous avez dit. Le tribalisme, le racisme. Ma campagne, il y a un zinga avec Kolo. Le cœur. Frères et sœurs. Seigneur Jésus. Qui veut que son cœur soit changé? Un frère a parlé de la culture du royaume tout à l'heure. Eh bien, c'est ça. Le cœur de Dieu. Le royaume, c'est quand les barrières tombent. Quand on commence à voir l'autre comme Dieu le voit. Quand tu commences à considérer l'autre, non en fonction de ses origines, mais en fonction de ce que Dieu fait. Marc 7. Nous lisons à partir du verset 5. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogeaient en disant, pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas sans se laver les mains? Jésus leur répondit et leur dit,
Certainement, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et ça, c'est vrai pour nos assemblées, pour nous chrétiens d'aujourd'hui. On chante. On prie. On crie. Le problème, c'est que le cœur. Mais nos cœurs ne sont pas avec Dieu. Non. Vous savez, l'organe que Dieu demande à l'homme, ce ne sont pas les yeux. L'organe humain que Dieu demande, ce ne sont pas les jambes. Ce n'est pas ton foie. Mais Dieu demande le cœur. Regardez bien. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, donne-moi tes cheveux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut vivre sans cheveux. Vous savez pourquoi il n'a pas demandé les jambes? Parce qu'on peut vivre sans les jambes. Mais le cœur. Le cœur est vital. C'est un organe vital. Le cœur est une pompe. Qui prend le sang et qui l'injecte. Qui l'envoie dans tout le corps. Le cœur est très sensible. Tu peux vivre sans, n'est-ce pas, si on t'enlève un rein, tu peux vivre. Avec un seul rein. Même si tu n'as pas les deux reins, tu peux faire une dialyse. Et continuer à vivre. Et ceux qui peuvent aussi la paix. Mais le cœur, s'il ne bat plus, c'est fini. Et ceux qui ont trouvé dans les sous-soutiens, c'est lui. Et là, Dieu vient et dit. Donne-moi ton cœur. Un jour, on pose la question au Seigneur. Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? Il dit, voici le premier commandement. Écoute Israël. Israël, yoka. Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Yahweh, nous avons besoin Yahweh à tali moko. Tu aimeras Yahweh de tout ton cœur. Yoko linga Yahweh na moté manamo vima. De toute ta force. Na bumakas na onyoso. De toute ton âme. Na bolé manonyoso. De toute ta pensée. Et na makas na tout ça, ça part du cœur. Et wana nyoso dans outa na moté man. C'est le premier commandement. Et tali mope kwa yambo. Et ce premier commandement, on n'en parle même pas dans les assemblées. Il est remplacé par le matériel. Il est remplacé par l'argent. Il est remplacé par le ministère. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, on ne peut pas aimer si on n'a pas un cœur. On aime qu'avec le cœur. C'est ça. Et Dieu dit, c'est les deux plus grands commandements. Regardez bien. Et beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas ces deux commandements. On vous dit, donnez la dîme, donnez l'offrande, donnez ci, donnez ça, mais on ne vous parle pas de la vraie parole. Parce qu'on aime son prochain comme toi-même, on ne peut pas prendre son argent, on ne peut pas le voler, on ne peut pas le haïr, mais on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même si on n'a pas, si on n'aime pas Dieu d'abord. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, qu'il soit noir. Qu'il soit du sud, qu'il soit du nord, qu'il soit congolais, qu'il soit quinois, qu'il soit ivoirien, tu ne vas plus voir ses origines. Le problème, c'est que nous avons des gros problèmes parce que nos cœurs sont pourris. On a des problèmes en Afrique avec
le cœur. Nous sommes dans la mission en Côte d'Ivoire avec des Français, des amis français. Nous sommes allés dans une assemblée. Il y a 12 ans de cela. Il y en a une sœur blanche qui est avec une jeune, 18 ans, elle pleurait. Et tout le monde a dit, il est en mode, il y a elle dit, pourquoi les Africains sont comme ça? Comment vous pouvez vous exploiter les uns les autres? Et pour la nini, vous allez vous allez vous allez vous il a vu des pasteurs utiliser des gens, porter leur Bible, prendre leur argent, ces gens pleuraient, ils ont vu ça, ils ont pleuré. Tu ne vas pas voir des pasteurs européens faire porter leur Bible là-bas en Europe. L'Africain aime rendre son frère esclave. Et c'est des gens qui sont remplis de versets bibliques. Alléluia. Dis à ton voisin le cœur. L'Africain, même s'il devient milliardaire, c'est rare qu'il crée des associations pour venir en aide aux pauvres. Mais les Occidentaux là-bas, beaucoup, ils vont créer des fondations, ils vont mettre l'argent, ils vont donner l'argent aux gens, ils vont soutenir les associations, tout ça. Nous avons des problèmes. C'est le cœur. Le cœur de l'Africain est trop noir. Vous voulez que je parle encore? Amen. Combien de pasteurs que vous connaissez ici qui ont ouvert les orphelinats? C'est quelle église catholique? Une église babylonisée. Et ça vient de l'Occident. Vous voulez que je parle encore? Amen. Voilà. C'est qui cet enfant qui a parlé comme ça? Et où cet enfant? Amenez-le moi là, c'est une fille. Hein, oh, mais maïa, oh, oui, maïa. Ah, c'est une petite fille. Oui. Je veux prier pour elle. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis cet enfant au nom de Yeshua. Amen. 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 Alors, voilà. C'est bien. Amen. Qui a remarqué que les Africains ont un cœur dur? Voilà. Ah, il pleut. Quelqu'un en 4x4. Il passe devant quelqu'un. La personne sous la pluie. Une vieille dame sous la pluie. On passe et puis on crie, je regarde, pousse-toi. Oh Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et ça, on a qu'à la carte à mon tout canal. On a qu'à la carte à maman, mon bangé. On a qu'à la carte à mon tout canal. On a qu'à la carte à mon tout canal. Allez voir nos magasins ici, dites-leur que la viande a varié, là, les produits qui sont dont la date de péremption est dépassée. Donnez-nous ces produits que vous allez voir combien on vous donne. Même les fous qui sont dehors, les SDF, nous chrétiens, vous chrétiens, vous passez devant vous. Est-ce que vous êtes déjà arrivé devant un SDF? Pour lui donner une banane seulement. Banane.
Mais dans l'église, le parallèle. Ce qui est tout, il y a quand même des gens qui ont été offensés. Qui nous a offensés? Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, ces gens m'adorent avec leurs lèvres. Oh Seigneur Yeshua, alléluia. Kolo alobi batouana, maza kosal lagase na bibebu. L'Africain est idolâtre. Alors, Moïse a dit, moto na soloka. Maman, ça un jour arrive, on va au beach là-bas, on va l'adorer, on se met à genoux. Sans sorcellerie, le cœur est noir. Maman, ça un jour, on va voir Kaboké dans le beach, on va voir Lenga Lenga, on va voir Yamaye, on va voir Nalimo, on va voir Soloka. C'est vrai que beaucoup vont en enfer. Mingi va voir Nalimo. Beaucoup vont en enfer. Mingi va voir Nalimo. Le cœur. Au type. Le pasteur, il commence simple. Il commence l'église, il est simple. Au moment que vous battez pas vos bandes et l'autre cas, il y a aller attendre l'autre. Il peut prendre aussi un taxi, simplement. À vous, vous appelez taxi. Quand il commence à voir une grande assemblée, tant que le moment est comme au cola, c'est fini. Et si le cœur est noir, mon type, mon yido. Dur, ma cassi. Toi, Kenze. Je venais ici, là, j'ai un grand apôtre selon les hommes. Nakoya kawa et père, Moutoumoko yoka apôtre. Nao et taliba. On mangeait dans ça, on mangeait un jour comme ça chez lui. Nakoya Moutoumoko et père. 12 plats différents. Et les pasteurs que tu as formés qui sont là dehors, ils vont pas manger avec nous. Non, ils vont manger dehors. On va attendre. Le cœur est noirci par l'orgueil. Motema eyinda na lofundu. Les chrétiens en Afrique, ils peuvent être ornés parce qu'ils ont de belles chaussures. C'est-à-dire ils planent quand ils mangent comme des canards. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont des pattes, ils ont des pieds à la place. Mais c'est compliqué. On dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec ces chrétiens? Moïno, mon Christ Moïno, avant qu'on se prête comme un sapato et à l'assi. Au moment où avant on est en Moïse, on me dit, mais oh, il y a un mototo, il y a un bata. Alléluia! Amen! Là, tu interprètes très bien, vraiment. Gloire à Dieu. Ne me lapidez pas, on n'a pas encore fini le programme. Tu dis, donne-moi ton cœur. Nous avons l'obé, personne n'a moté mal à eux. Et les gens disent, oh Seigneur. Nous avons l'obé, ah, quoi, ça m'a coûté cher ce cœur. Ah, moté mal à eux, ils ont moté à pour n'a gagné. Je te donne juste 50%. N'a pas coupé son cœur, m'a été ni moi. Les 50% qui restent là. Et t'es moussous, c'est qu'il y a eu un an. Faut pas les toucher. Ou alors aussi, m'a moté. Parce que dedans. Il y a ma copine. Et il y a un compartiment pour ma copine. Et un compartiment pour ma Mercedes. Et ça ici pour un compartiment pour mon stylo Mont Blanc. Et ça ici pour un compartiment pour l'argent. Et ça ici pour un bon mananga. Un compartiment pour la colère que j'ai contre mon mari. Et ça ici pour un calme on a un bon mananga. Je dis donne-moi tout. Non. Écoutez frère, oui, Dieu m'a enseigné bien comme il faut. Nous avons à la qui s'agit de le cœur.
Je prends ma voiture, je vais jusqu'à la gare du Nord. Je la mets dans un, parc, dans un parking souterrain. Je prends le train pour Bruxelles. Après, on a dit, le lendemain, n'est-ce pas, le soir, je reprends le train pour Paris. J'arrive. J'avais pas mon ticket de parking, je l'avais laissé dans la voiture. Et je l'ai pris. Et puis, je suis monté en haut, payé. Et je me suis aperçu que je n'avais pas assez de pièces et j'avais tout oublié dans la voiture. Et j'étais embêté parce que j'avais déjà mis l'argent que j'avais dans la machine. Dépassé un certain nombre de temps, le compteur se remet à zéro et tu perds ton argent. Et ceux qui m'attendent, les gagnent au moins que. Et il me manquait 80 centimes. Et une dame SDF, sans abri, française, vient vers moi. Et moi, si mon corps, elle sentait mauvais. Elle me demande l'argent. Je lui dis, mais là, j'ai pas l'argent. Regarde là, je fais signe que là j'étais un peu coincé parce qu'il fallait que je descende pour prendre l'argent en bas. Elle me dit, attends deux secondes. Je vais te donner ça. Je dis quoi? Elle dit, mais je vais te donner. Elle sort 1 euro. Et elle court faire de la monnaie. Et à qui n'y a que ça la monnaie. Elle garde 20 centimes, elle me donne 80 centimes. Et puis à Dieu, elle a pesé à gagner. Je dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici? Oh! Une femme que je pouvais rejeter. Et c'est elle que Dieu m'envoie pour qu'elle me donne la solution. Je lui dis, ah, Seigneur, Colo. Et on est descendu en bas tous les deux. Donc, il dit, son ami m'a dit, j'ai pris de l'argent, je l'ai donné. Et il a dit, mon manga m'a pessi. Le cœur. On juge les gens par rapport à leur apparence. Leur origine. Et on passe à côté de la bénédiction. Et puis, au moins, il dit, ça n'est pas pour lui, la permet. Un jour, un homme qui existait, il priait le Seigneur. Seigneur, visite-moi. Il priait tous les jours à 19h. Et un jour, à 19h, un sans-abri est venu sonner à sa porte. Cet homme l'a chassé. Et il a dit, attends ici. Alors, bima, il et il continue à prier. Et le Seigneur lui parle. Il dit, mais je suis venu te voir un jour. Mais, tu m'as jeté dehors. Il dit, mais jamais, Seigneur. Le Seigneur lui dit, si. Oui. Le sans-abri, là, c'était moi. Le cœur. Ce peuple, Dieu dit, mon nom des lèvres, des lèvres. Son cœur est éloigné de moi. Comment savoir que tu as donné ton cœur au Seigneur? Comment savoir que ton cœur est important au Seigneur? Si tu es mort. Ceux qui ont confié. À mort. Ceux qui ont confié. Ne réagis plus. Un mort. On lui crache dessus, il continue à bénir Dieu. Un mort, on l'insulte, il bénit Dieu. Un mort ne réagit plus. C'est-à-dire, par rapport à nos réactions et nos actions, on peut savoir si on est mort ou pas, si on a donné le cœur à Dieu ou pas. Qui réalise qu'il n'est pas encore bien mort? Non,
Ah, moi, on ne me parle pas comme ça. Ah, nangaba, le bakanga bokote. Je ne suis pas n'importe qui. Ah, nangali moto pa mapa bate. Il faut croire. Tokotala. Je ne peux me laisser faire. Ngai na koti ka bokote. Comment savoir que ton cœur n'est pas encore totalement au Seigneur? Voilà, voilà les signes. Le premier, c'est la susceptibilité. La susceptibilité. Si tu es susceptible, quand on te critique, quand on parle mal de toi, tout tu te réagis chamelement, c'est que tu n'es pas encore mort. Qui est susceptible ici? Ok, merci pour votre sincérité. Merci. Tu es susceptible, je sais déjà plus que ça. Ah, bah, il peine les gâter. Tu te mets à crier dans toutes les maisons, tout le monde se dit, oulala, là. Comme on a été, on commis qu'on toque au lot, on va te faire un premier bébé. J'étais très susceptible. Ah, c'était grave. Et il fallait de grands brisements. Le cœur. Comment savoir que le cœur n'est pas totalement Seigneur? Le deuxième signe, la deuxième chose. Les inquiétudes. Qui s'inquiète beaucoup pour sa vie, pour sa famille, pour son avenir? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Alléluia. Les inquiétudes, ça vient du cœur, toujours. Les soucis. Voilà. Celui ou celle dont le cœur appartient totalement au Seigneur ne s'inquiète plus. Regardez. On va dire, ce feutre m'appartient. Je le donne à ce jeune homme. Est-ce qu'il est toujours à moi? Il est à qui maintenant? Allez, alléluia, à lui. Maintenant, je commence à m'inquiéter. Mais fais attention, mais tu vois pas que là, il y a un danger autour. Mais il faut la tenir correctement. Mais si maman malade. Mais il va se dire, mais il est malade. Mais il est malade. Il a donné. Mais il a pèsé ma mort. Alors pourquoi il s'inquiète maintenant? Pourquoi on a dit, tu as donné ta vie à Jésus. Il a pèsé ma mort dans le mais là, quand il y a des problèmes, tu t'inquiètes. Et ce qui lui a payé, il a comme tout. Mais ce n'est plus ta vie. Et elle est souvent moyenne à côté. Alléluia. Amen. Oh. Si je vis, ce n'est plus moi. Maintenant, quand il y a les sorciers qui veulent t'attaquer l'année, pourquoi tu t'inquiètes encore? Pourquoi tu cherches encore des prophètes pour être protégé? Ta vie, tu l'as donné à Dieu. Mais là, si des gens veulent te tuer, pourquoi tu t'inquiètes? Le cœur. Si tu réagis encore, s'il y a encore des inquiétudes parce que ton cœur est encore là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades juste parce qu'ils sont inquiets tout le temps, en permanence. Tension, l'estomac. Le gars, on est comme une tension au estomac. Crise. Au moins que. Pas quoi. Il y a des gens, même, on leur dit il faut pas. Il faut pas leur annoncer la nouvelle tout de suite. Et bah, il faut d'abord. On va voir au bon moment. Et puis, ceux qui disent, on le voyait à vous.
Il faut prendre des contours, des détours, il faut d'abord. Parce que le moment va partir. Ce qui t'est, qui connaît des gens comme ça? Nana il m'a donné moi. Nani pas l'indéguo. N'ayez pas honte. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu va te guérir aujourd'hui, ma soeur. Le cœur. On a donné au Seigneur nos pieds. Seigneur, j'arrête avec les boîtes de nuit. Tu as donné au Seigneur tes pieds. Alléluia. Amen. Tu as donné tes mains au Seigneur. Seigneur, je ne veux plus tuer. Mais le cœur. On dit Seigneur, là c'est compliqué. Alléluia. Vous savez pourquoi tu demandes le cœur? Parce que le cœur gère les yeux. Parce que mon thème est dans mon condamnation. Gère les oreilles. Et dans mon condamnation. Gère la bouche. Et dans mon condamnation. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur de la bouche. Le cœur, c'est la racine. Le bon est que mon thème est ali fin dans l'alicambo. La troisième chose qui prouve que tu n'as, ton cœur n'est pas au Seigneur. Et l'autre ami, ça nous a relaxé que mon thème n'en est ali dans encore le la colère. Kanda. Quand il y a des gens, quand ils se mettent en colère, il faut tout de suite les éviter. Et pas de sous ceux qui a siliki. Ah, c'est une ligne qui est comme ça. Non, non, libongo. Merci pour votre sincérité. Merci. Ton père était comme ça, ta mère était comme ça, toi tu es devenu comme ça, tu dis, mais. Pourquoi je deviens comme ma mère, comme mon père, Seigneur? Mais qu'est-ce qui se passe? Maman est à la Bongo, papa n'a pas la Bongo, yo pour la Bongo. Yo, on va pas aller dans la coco, ça, le la Bongo. Hein? Moi, quand je me mettais en colère, là, c'était chaud. Ah, mais on a aussi, là, il a qui dit quand? Dieu m'a dit, toi, je veux te tailler. Nous avons le but, yo, on va y avoir aussi, ma simba, yo. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'étais pasteur à l'époque, montre-moi mon état d'âme, comme tu me vois. Il m'a montré, j'étais avec mes collaborateurs, j'avais un pistolet, je leur disais, celui qui va oser ici, là, je vais me tirer dessus. Je me suis réveillé, Seigneur, ça c'est moi, c'est pas moi, Seigneur. C'est là où le oh, on a été. Alléluia. Amen. La colère. Kanda. Il y a des femmes, elles sont belles, mais elles ne se marient pas parce que les hommes ont peur d'elles à cause de la colère. Parce que les sous mais papa la kati, même à qui m'a gavé pour la kanda. Vous en connaissez des femmes comme ça? Oui, il passe à Bongo. Oui. Il y a des frères qui sont ici, ils ont des enfants. Quand ils reviennent du travail, les enfants, ils rentrent dans leur chambre parce que papa, le lion, le lion est là. Il y a papa Missousou, ceux qui ont dit que ça, ils ont dit que papa, il a le visage comme ça. On va bien que conseiller en a fait. Ces hommes-là ne prennent jamais leurs enfants dans leurs bras. Au moment de que Batané m'a la roue aussi, maman a mémé et t'es. Amen. Caresser son fils. A courir au sacré maman. Jamais. T'es. Toujours crier. Oh maman, 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 maman. C'est ton voisin sans la sorcellerie. Et Zali Mintoki. C'est de la sorcellerie. Zali Mintoki. Les enfants ne chantent même plus papa yé, t'as laissé lire papa yé. Deux mois, c'est seulement papa yé, il faut fuir. Le papa est là, il faut fuir. Ah, papa yé, qu'on s'agresse, papa yé, qu'on s'agresse. Il regarde par la fenêtre. Eh ben, là, pour t'as l'année, l'année ici. L'aîné regarde par la fenêtre. Ah, il y a un peu de papa arrive, papa arrive. Tout le papa yé, on a comme moyaka. Et moi, tu n'as pas ta vie, c'est là, naïe. Dès qu'il y a dans la maison, Marie! Et tant qu'on a un temps, papa, il faut bien qu'on m'assie. Marie! Marie! La colère, qui connaît des gens comme ça? Non, il va t'en aller, il est où?
mari était comme ça. Ton mari était comme ça. Il était déjà mort. Ah. Il est mort. Waouh. Alléluia. Amen. Troisième chose, la quatrième chose, l'orgueil. Alors, et l'eau qu'on a mis, n'est pas le fond. C'est trois ou quatre? Quatre. Terminé. La première chose, c'est la susceptibilité. La deuxième, c'est les inquiétudes, la colère, et là, c'est l'orgueil. Voilà, le fond. Oh. Un orgueilleux, quand il marche, tu le sais. Et maintenant, le fond, nous sommes dans le temps où l'on y est. Comment savoir qu'on est orgueilleux? Un orgueilleux, quand il fait une erreur, il ne va pas accepter de se pardonner lui-même. Parce qu'il va se dire, moi qui suis si parfait, comment j'ai pu faire ça? Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se justifie toujours. Il ne demande jamais pardon. Quand il fait une erreur, ceux qui assalent les cambois, et qu'on attrape dedans, bah, il a toujours dit non, mais en fait, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah, ça, c'est votre interprétation. Et ça, c'est votre interprétation. Et on a dit, elle l'a dit, ma mère, elle l'a dit. Il va toujours accuser les autres. Et il y a des actuels, les cambois, n'ont pas qu'il n'y a pas de l'eau. Moi, vous savez, je suis noir, moi. Ah, gai. Vous savez, moi, je suis de telle région. L'orgueilleux va toujours présenter ses origines. Dans le fond. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne s'accepte pas tel qu'il est. Et avant comme une zima négarité. S'il est tout noir, il va commencer à mettre des produits pour devenir clair. C'est un orgueilleux. Faut qu'il y a l'imoïno, à Konuka, à Pakorma Futa Mogate. C'est l'orgueil qui fait ça. Le visage est clair, les mains sont noires. Au moins que l'ongi moutani, ma bon moïno. Comment on appelle le lézard ici là comme ça? Marouya, c'est ça? L'ongi J, ma polo coca. Fanta et Coca. Fanta et Coca, voilà. Alléluia. Amen. Qui se rend compte que nous avons des problèmes, nous les chrétiens? Un orgueilleux. Oh, c'est terrible. Un orgueilleux estime que quand il arrive quelque part, tout le monde doit le regarder. Et il y a une limite à ma côte de Sika Batounio Sobata. C'est moi. Et Alingaï. C'est moi. Et Alingaï. Regardez, c'est moi. Botala Alingaï. Qui connaît des gens comme ça? Non, il va dans le lingue. Hein? Qui connaît des gens comme ça? Il y en a plein. Hein? Un orgueilleux dit, moi, je ne peux pas rouler un taxi. Moi, jamais. Il va prendre des versets bibliques disant, je suis le fils du roi, la fille du roi. Ça m'a fait du bien de sortir tout à l'heure, de prendre un taxi. Et quand ça l'a fait, il m'a dit, je vais prendre un taxi. On est parti faire une petite course au marché là tout à l'heure. Et donc Kenaki Kosa là. Tu as besoin des bananes? Allez, on va prendre des bananes. Na taxi. On revient. Et aux zones. Il était très gentil ce monsieur. Et à la qui paye vraiment un single. Pour venir aussi de nouveau taxi. Et déposez moi là-bas là, aux rues de, je sais pas, à l'avenue de Martyrs là, tout ça. De trois martyrs, c'est ça. Hein? Voilà. Et tu sais qu'il a été. Il faut pas se prendre la tête. Qui a de problème avec l'orgueil ici? Qui veut être libéré de l'orgueil? Nani, ben je vais camoler dans le fond d'Ouana. Nous tous, hein? Tout le monde est plus ou moins orgueilleux. Ah oui. Celui qui dit qu'il n'est pas orgueilleux, c'est qu'il est le premier orgueilleux. Montez le but que Dieu a mis mon isakate, n'ayez pas de toi dans le monde. Parce que même ton
même sourire peut prouver, montrer qu'il y a l'orgueil là. On dit, oh, cet homme, cette femme. Parce que tu as un joli nez, tu es orgueilleux. Les gens te disent, ah, t'as des joues, des belles joues. L'orgueil est venu. Alléluia. Et puis un jour comme ça, Dieu permet à ce que tu commences à voir flou. Et tu portes des grosses, hein, des gros verres. On dit, alors va encore te mettre à l'orgueil là. Non, même pas. Dieu permet ce que te. Hein, une femme qui a des beaux yeux, Dieu peut permettre de ce qu'elle porte des grosses lunettes pour que ses yeux soient cachés. Ah, au moins c'est moi si on a mis sur la kitoko, nous avons compris ces procès de Yahoo. Si y'a pas net, la mine n'a pas été mise sur la Eboman. Regardez comment certaines femmes se maquillent. C'est l'orgueil. Hein. Ça met des autoroutes ici. C'est tellement comme pas possible, on dit, mais Seigneur, ça se termine, on s'est mis à cette main. Oh Seigneur Jésus de Nazareth, tiens, te voici orgueilleuse. Mon âme, papa, papa, mon lanta, tout le monde. Portez, papa, mon sala, au bien, monsieur, l'onignon, soyez la main, non, papa, papa, non, on a tiré, on est mango. Qui veut changer? Non, il faut pour moi. C'est quelque chose qui prouve que, ton cœur n'est pas au Seigneur. C'est l'hypocrisie. Qui est l'hypocrite? C'est quelqu'un qui joue un rôle. Au moins les gars, mon cœur, ça va être leur moment boy. L'hypocrisie veut dire simplement jouer un rôle, être un comédien. Et que une colombe que au sein de moi est leur moment boy. Vous en connaissez des hypocrites ici à Brazzaville? Boyer du bango. Hein? Il joue un rôle. Et maintenant, vous savez comment ils l'ont remboursé. Ça va, mon frère. Mais dans son cœur, il dit, le jour où je veux te parler en face, là, tu verras. Le jour où je veux t'attraper dans un péché, tu verras. À côté, ça va, moi, mais c'est mon nom, son bien, mon team, maintenant, vous gagnez là. Oui, ma soeur, bisous. Aïe, aïe, mon maman, bébé, mais vos canards, ah, canardangaï, ah, canardangaï. Moi, je oui. Ah, dans son cœur, c'est ce que la personne dit. Ah, pardon. Oh, ma soeur, ah, c'est beau. Ton costume te va bien, mon frère. Ah, on l'a dit, madame, ou un de vos canards. Ah, là, c'est bien. Et dans son cœur, tu dis, il a dû l'acheter dans un marché pour lui. Oh, il a l'a dit, cela, c'est bien. Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants des pasteurs ne veulent pas prier? Parce qu'ils ont vu leurs parents dans l'hypocrisie. Ils les ont vus aller à l'assemblée être gentils avec tout le monde. Bonjour. Et à la maison, ils prient pas ensemble. Ils voient l'homme et la femme se battre. Mais à l'assemblée, tout le monde est gentil. Quand on voit à l'assemblée le couple là, on dit, oh là là, ils sont gentils. Ceux qui vont monter, moi si dans mon père à l'église, à la maison, dans la chambre, c'est la guerre. Et chacun a son compte dans la guerre. Chacun gère ses sous. La femme dit A, le mari dit B. Et moi, ça va le A, il y a le B. Mais quand les frères et sœurs sont là, et tant ils sont gentils tous les deux. Au moment où ils sont gentils, tiens, ton voisin, il joue un rôle. L'hypocrisie. Là, l'église, là, l'assemblée, la tête que nous sommes là, tu es bien habillé. Tu as mis une longue robe. Mais quand tu es dehors, tu es bien habillé. Tu es juste ici. Tu joues un rôle. Tu joues un rôle. Qui s'aperçoit qu'il est un tout petit peu hypocrite. Non, au moins que vraiment, on a mis beaucoup de salaire quand tu es. Tu fumes. Tu arrives là à l'assemblée, tu écrases ta clope. Au communal, tu prends le shingam. Enlever l'odeur. Pour être sauvé du matin. Ça va, mon frère. Oui, ça va. Déco, malamo, malamo. Il y a un frère qui est assis quelque part. Et il y a un de vos mots qui a fini. Une fois qu'il met une soeur
passer devant lui. À mon idée, commence à regarder à gauche. À personne ne le voit. Il commence à regarder la sœur. Et à côté de la sœur, la plus. Et puis, dès que quelqu'un le voit. Et comme le voit, il se met à parler la langue. Hypocrite. Et dans mon cause. Qui connaît des gens comme ça ici? Non, la vie va t'en dire. Tu es venu là pour prier soi-disant. En fait, tu as suivi une femme. Tu as suivi un homme. Ou encore, tu viens me voir, frère Chora, comment vas-tu, frère? Et quand tu dis qu'il nous embête, on va dire, oh, il va dans mon tout mis à pisse. L'hypocrisie au cause. Qui se rend compte que si le Seigneur revenait là, il ne va pas partir tout de suite. Nani a organisé que Kolosokaïka le Lora Wayatikali. Eh, par honte, levez le main si vous voulez. Tu es là. Quand on dit on va prier, ça va le vite sembler là. Yo, il faut pas le battre, on va vous bonner la petite. Mais là, quand on dit on va chanter, on court après le micro. Oh, yeah, yeah, oh yeah, yeah. On dit la soeur là, pourquoi elle se tait pas? Elle casse l'onction, pourquoi elle se tait? Elle se taise. Regardez quand, comment beaucoup de pasteurs prêchent. Quand ils viennent prendre le micro, alléluia. Ils changent de voix. On dit, pourquoi ce frère parle comme ça? Parle comme t'as toujours parlé. Alléluia. Alléluia. Qui a déjà vu ça? Nana, ça, mon amour. Ça finit même par t'irriter. Oh, comment est-ce que tu as mon micro là? Prends ce micro là, parce que là, c'est trop là. Ah, tu vois, aïe, Kouana. L'hypocrite. Pourquoi? Le racisme. Il vient d'où? Il vient d'où? Quand on va dans une assemblée, on demande tout de suite le pasteur. Il vient d'où le pasteur là? Il est de pointe noire. Qui connaît des gens comme ça? Le dernier point là, c'est le manque de pardon. Et y'a Simon en écoué, va continuer. On est l'équipe. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Colomba la boni n'a pas slipi sans débonagaï, ce qui a souki, il bosse en gaï. Serait-ce cette fois? Et dans la même par la sambo. Ça, c'est dans Luc 17. Voilà, Luc n'a pas capé à la sambo. Pierre dit. À Jésus. Et Pierre va revenir à Jésus. Il a dit sept fois, Seigneur. Alors, il m'a mon colo. Pourquoi sept fois? Alors, pas les... Parce que pour les Hébreux, le chiffre 7. C'est le nom de l'absolu. Au-dessus de 7, il n'y a rien. Et Pierre voulait, il pensait qu'il allait coincer Jésus. Et il y a un lingaki. Jésus-Christ. Il dit, voilà, là c'est le sommet, c'est il y a encore d'autres 7. Et ça n'a pas 70 fois 7. Par jour. Pierre dit, Seigneur, augmente-nous la foi alors. Parce que là nous sommes mal barrés. Vous vous rappelez un jour, Jacques et Jean. Ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous invoquions le feu pour qu'il
qu'il brûle ce Samaritain. Et que puisse tomber la mort au de et dit que ça va Samaritain. C'est toi qui prie comme ça. Et le feu, Et si le Seigneur devait te tuer à cause de ton péché d'avant? Le pardon. Si ton frère a péché contre toi et qu'il se repente, il faut lui pardonner. Ce qui n'est qu'à salir ma paix. Et pas une ailleurs que ceux qui a pas mal monté ma limbisaye. Qui a du mal? Là, n'a pas voulu me. Le Seigneur, Colo, a été mis sur la croix. Il se vidait de son sang. Et makila neno sila. Il a reçu plusieurs coups de fouet. Et puis, bah, péta qui va fumer et bêler. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. Bâtir et continuer à zoomer. Mais ces épines se sont enfoncées dans son crâne. Et qui va zoomer et continuer à monter naï. On lui a craché dessus. Bah, boitier soi naï l'homme. Du crachat et du sang se mélangeaient. Et la soi na makila peignon et komaki kokita. La première parole qui va libérer. Et lui l'homme a yamo et a bimisaki. C'est là le pardon. Et ne olibisi. Père, alors puis papa, pardonne-le. Libisa Bango, frère, sœur, il était en train de mourir. Alaki Kokoufa. Il libère le pardon. Et fait à Pessine au Libisi. Et avoir l'esprit de Christ, c'est avoir l'esprit du pardon. Kozalana Molimon encore de Kozana Molimba au Limbisa. Un jour, une femme française avec qui nous prions a commencé, déjà, elle a quitté l'assemblée, elle a commencé à m'envoyer des emails et des courriers postaux chaque semaine, me traitant de tout le nom. Et moi, si mon retour ça va l'année est longue, à l'ombre, à l'abisso, mais tant que nous sommes, comment il faut que tu m'as promis qu'au fin, quand on va m'a commencé de bêler. Je ne vais rien faire. Non, ça va être à l'ombre. Elle a dit, ton assemblée dans 10 jours, elle va être détruite, pulvérisée. Elle est partie avec un groupe de gens. Et à Kebena, moi, il y a Elisa. Dieu m'a dit, va la voir. Tu vas lui demander pardon. Je lui dis, Seigneur, c'est elle qui est fautive. C'est elle qui a commencé. Moi, je ne suis pour rien. Il me dit, je sais. Mais tu vas là, chez elle, tu vas lui demander pardon. Je lui dis, non, là, c'est pas le Seigneur. Il dit, c'est moi. Je suis parti chez elle. Je l'ai d'abord appelé. Elle était surprise. Elle a convoqué beaucoup de gens ce jour-là. Et je suis parti seul. Je sonne. Elle ouvre la porte. Et je lui dis, je suis venu simplement te dire pardon. Et je suis parti. Et le Seigneur a ouvert des portes pour moi terribles. Le pardon. Et comme le manque de pardon est comme un feu qui est là, un feu étranger, qui va ronger ta vie spirituelle. Et comme ça, quand on limite ça, et dans le coup, ce feu étranger te fait vieillir. Et moto wana et kuko nunisa yo. Je vous dis même physiquement. Et d'abord le bata kuna olengi a mokoto. Parce que cette haine-là, ce feu-là, c'est la haine. La haine te détruit. La haine provoque même des maladies physiques. La haine provoque même des maladies physiques. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'en tant que meurtrier, avec la haine, tu te tues toi-même. Oui, parce que tu es un meurtrier de toi-même. Ensuite, pour les autres. Et la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. La haine a poussé les bras de l'Union à se faire la guerre au point de piler des
enfants dans les mortiers. Et il n'a dit que Batouakou de la ville, Bata la guerre, va tout avant dans la Biboka. La haine. Oui, ce feu étranger te fait regarder l'autre comme un étranger. Le feu de la haine détruit ta relation avec Dieu. C'est pas facile. Et ça peut être. Car du cœur de l'homme sortent les mauvaises choses. La jalousie. Zoua. La haine. Kouina. La fornication. Et Kobo. L'impudicité. La convoitise. Koulula. Le mensonge. Jokuta. La masturbation. Divorce, remariage. Tout ça sort de l'homme. Et sous l'homme. Et dans le cœur, le cœur, mon thème. C'est pour cela que même quand on prie comme ça, là, quand il y a la haine, quand il n'y a pas la, si le cœur n'est pas totalement au Seigneur, bah, l'atmosphère est lourde. On prie, il y en a, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont lourds. Le cœur de l'homme est tortueux et allié méchant. C'est comme un abîme. Je vois des couples mariés depuis 20 ans. Et parfois, tu entends les hommes ou les femmes dire: je ne connaissais pas mon mari. Et moi, si tu vois au maintenant, il va pas le 20 ans après, je découvre qui il est réellement. Qui veut donner son cœur à Dieu? Ceux qui veulent donner leur cœur au Seigneur, levez-vous. Maranatha.
Offre-lui ton âme, ta vie. Confesse tous tes péchés. Rejette cette vie de mensonge. Rejette, ma soeur, cette fille qui n'honore pas Dieu. Rejette cela. Car Dieu nous a sauvés pour cela. Il a besoin, cette ville a besoin de toi, a besoin de la grâce que Dieu t'a accordée. Voilà pourquoi tu peux te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'aller plus loin. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Oh Père, je t'en supplie, papa, pardonne nos péchés, pardonne nos péchés, Seigneur. Nous confessons nos péchés aujourd'hui, le sang qui coule, nous confessons la sorcellerie, la magie de ce Père, Seigneur, mon Dieu, les enfants de moi. Oh Dieu, Alléluia.
Thank you.
Son nom est grand. Louez-le Seigneur, louez-le encore. Louez-le toujours, car son nom est grand. Car il fait des grandes choses. Car il fait des grandes choses. Car il fait des grandes choses. Béni soit son nom. Car il fait des grandes choses. Car il fait des grandes choses. C'est Jésus, oh, il est le roi, Jésus, chant, il te donne beaucoup de chants nouveaux comme ça. Quand on se met à le louer là-bas, là, oh là là, toute la nuit comme ça, on le loue. Mes amis là, des chants nouveaux. Mon chéri d'amour, quel est son nom? Jésus. Oh. Jésus. Il faut tomber amoureux de lui. Il faut le kiffer, il faut le.
Qui le kiffe ici là? Je le kiffe. Oh, il y a une onction ici, la onction prophétique. Une onction prophétique ici là. Une onction prophétique.
total pour toujours et à jamais, papa. Cette fois, papa, qui soit dans ma vie, papa. Et à moi, il n'y a que toi, papa. Et à moi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, c'est bien, papa. Reçois la mort, c'est bien, papa. Reçois la mort, il n'y a que toi, papa. Money, money.
na kobotama osoki na moni bikamwa na yesu we na kobanga zambe